Ok, le castal cousin. C'est le retour des visages pâles qui polluent sous tous les pôles. On dépose des palettes de problèmes comme un dude de 30 dans un dépôt. Tu veux des preuves pour tenir une France qui enterre les braves et pratique le monopole. Leur objectif c'est de prendre le trône de la métropole. Au peuple, t'as bouffé toute la pomme puis t'as pris le monopauvre. Alors j'ai polé miséreux en faisant couler de l'encre sur la misère et le rôle de certains patrons qui me dérangent. Hexagone, attelé de dictateur comme une star. Elle lui déroule le tapis rouge, imbibé de sang et ferme les stores. De grosses sommes sur de beaux contrat, voilà à quoi tu penses quand tu lui tends les bras. Et pour remplir tes comptes, les gros moyens tu les sors. Mais au premier comptage, combien de travailleurs morts à la tâche on comptera. Tous ces méfaits ont fait de moi quelqu'un de méfiant. Ça se noie dans la tise et ça fréquente le shit. Viens par chez moi, ça dessoule un jour sur deux et ça divague. Vu que par journée on est sur deux, prendre au moins 10 vagues. L'abus de substances prohibé a prononcé ma haine. Tu n'as jamais cassé les chaînes d'une Afrique atrophiée. T'en as trop fait, beaucoup de conflits et de cas dans les fossés sont le résultat de tes trophées. Trop de faits marquants ont marqué l'histoire. Génocide, mort, sang et guerre. T'es sans remords tant que tes profits s'en remettent. Y'a pas de remède, t'es tombé amoureux du fric et moi de Marie-Jeanne. Encore un sale môme de mon époque qui bédave. Dans ma région, l'amour est mis à mal. Mon rap fan les roses et font de moi une ronce qui s'arrose avec des phases. Je prononce énormément de respect envers mes sauces. Beaucoup d'efforts pour soutenir la cause des faibles. On manifeste notre mésentente. T'attends le dû de tes efforts. Depuis longtemps, on n'est pas dupes. Parce que de la France, y'a plus grand chose à attendre. Mes balles fusent sur cet état qui pèse et qui ne fait que des flics. Avant de casser la tirelire pour ta mise en forme, t'as oublié de répartir le résultat de nos efforts. Le coffre-fort est vide, c'est ta seule défense. Foutaise, tu fous tes vives dans les entreprises qui tuent des vies. C'est le retour du camp, t'as le ventre vide. Au fond de la classe, j'ai posé ma tente et mes valises. Les connaissances s'accumulent et la colère augmente. Pourtant j'écoute à peine la moitié de ce qui m'évalue. Et plus j'avance dans le temps, plus les cours accentuent ce que je pense. L'économie me prouve que mensonges et profits sont bien la somme de ce monde capitaliste. Ça méprise son prochain pour lui prendre son dû. Et le pire c'est que ça perdure. Trop de gens perdent et restent seuls. Ne pense donc pas que les adultes sont des gens responsables. Déjà que Johnny est l'idole des jeunes. Pendant qu'ils se gavent, ses fans déjeunent à Lidl. C'est grave, comme le dollar est devenu la bible de l'homme. L'or maîtrise la terre et a mis à terre les plus délaissés. Et le plus triste, c'est que de ces problèmes, on y met un terme sans remettre de l'ordre. Au bout du compte, les responsables se sauvent et s'en sortent sans que ça les altère. France, tu es sali par ton comportement, tu complotes. École porte une image de cow-boy sur tout le globe. Je ne te salue pas, mais je te bloque. Et comme réponse à nos revendications, tu nous boycottes. La liberté d'expression s'écroule à notre époque. La censure est partout, presque, ça me fait rire. Tu autorises aux petites putes qui nous racontent leur malheur de môme de créer des blogs. Mais tu oppresses les prolétaires quand ils demandent à prendre la parole. Tu joues ton rôle et lis ton texte comme l'apprend si bien n'importe quelle hôtesse. La fin de ma lettre arrive et tu n'y trouveras aucune formule de politesse. France, prends ce message comme une déclaration de guerre.